cramponné pas de face. Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h, 21h sur TSO Radio. De retour sur TSO Radio pour la suite de l'émission. Le soir, tard chaud. 19h, 21h, c'est notre horaire. Attention, les joueuses se préparent à avaler du chamallow. Baissez les masques, ce sera plus simple pour pénétrer les chamallows. Et là, je vais vous inviter du coup à... intégrer un maximum de chamallows dans vos bouches, s'il vous plaît. Moi, j'arriverai jamais. C'était comme les céréales de la semaine dernière. Alors, n'hésitez pas à mettre un doigt sur la gauche pour pouvoir faire rentrer sur la droite. C'est parti, on compte. Allez, c'est parti. Attends, on fait en même temps. On peut en mettre dans la gorge. Ah, peut-être. Enfin, bah oui, si t'arrives à casser quelque chose dedans. Sébastien Perrin, ça. Avec sa grande bouche, tu sais. Alors, du coup, Hélène et Laura vont, vont déjà disposer dans leur bouche des. Allez, voilà. Attention. Attends. Ah, la ventoline. C'est comme pendant l'acte. On en parlera allez, tout à l'heure. Allez, c'est parti, tu vas pouvoir ingurgiter. Allez, on ingurgite. Allez, alors là, les filles sont en train d'avaler les chamallows. Enfin, de se mettre les chamallows dans la bouche. Et après, je vous amène des mots à dire. Chaque joue, là, déjà. Là on est bien. Deux de chaque côté déjà. Deux de chaque côté. On arrive à trois. On n'a pas dit de manger hein. Trois du même. Oh le 4 5 Gourmande. Oh là là. Gourmande. Allez, non, on est comment là du côté de. Ah j'ai compris, 6 du côté. Non, il y en a 6 du côté. 6 Voilà, à l'arrivée au 7ème. Ah, il y a de la place quand même, hein. Non, mais c'est qu'on dirait pas comme ça, mais au niveau des mètres carrés, on est sur une loi carré assez importante, hein. Ah, non, c'est bien, 15 mètres carrés, hein. Et bon, elles vont s'étouffer. Alors, on va pas pouvoir faire la séquence. Avant, comme si avant. C'est vrai que Nivek nous fait remarquer qu'il faudrait que vous puissiez parler un peu quand même. Allez, j'arrive, je vais vous donner quelques mots. Vous comprenez les céréales de la semaine dernière? Là c'est encore pire je pense. Non, elle va pas pouvoir, elle va cracher. Ah, elle va cracher. Bon c'est dommage. Normalement d'habitude c'est les mecs qui crachent. Tiens regarde, tu devras faire deviner ça. Le mot t'a plu. Et bah quand tu auras tu pourras faire. Elle en a plein la bouche. Je vais me décaler parce que j'ai l'impression que je vais en prendre dans la gueule. Je crois que les mots, je vous ai transmis les mots, ça vous plaît, vous direz. J'en ai un peu marre parce que j'arrive même plus à ouvrir la bouche de toute façon. Pardon. Allez, vous avez chacun vos mots. Le temps que Hélène remette. Bah, le truc qui m'écœure, c'est que je déteste ce bonbon, donc déjà c'est compliqué. Alors, Laura, on t'écoute, fais-nous deviner ton mot. On n'arrivera jamais du coup à l'entendre. C'est dégueulasse. Amenez du sopalin parce que. Dégueulasse. Il y a de la bavouille partout. Oh là là, ça goûte. Ça goûte. Ah voilà. Au pire, retire peut-être en un, non, je sais pas. De toute façon, il est en train de fondre. Hein. Voilà. Ah oh, oh. Agréable. C'est une fois de plus peu catholique. Les auditeurs n'ont pas l'image, mais quand vous verrez ça au replay. J'espère que vous. Sur YouTube. Est-ce que toi, tu arriverais peut-être à donner ton mot tout de suite? Le chamallow vous fait c'est des horrible, filles. C'est horrible. On essaie, ils ont leur mot, de toute façon je pense j'ai que... J'ai la vision à côté, en plus. Bah, ce qui est bien, c'est que t'as la vision, mais on n'a pas les mots, hein. Et là, oh putain, elle mousse. Laura, elle mousse. C'est du poisson. C'est magnifique. On leur a filé du poisson. Oh la vache. Comme d'un... Il y a un mot qui va sortir, attention. Pourtant, c'est des mots... C'est des mots. Ok. Bon. Quand soudain. Pas souvent. Alors, pourtant, c'est vrai que le mot. Le mot, il est. Pompiste. Alors pompiste. Prépuce. Ah, bien, merci. Merci, parce que. Ouais, Et enfin. Ah, mal. Alors chiale. Non, c'est des paillettes peut-être. Non, je sais pas. Elle a moussé, elle a chialé, elle a bavé, elle est passée par toutes les émotions. Finalement. Oui, on te comprend bien là. Alors avec ce dernier. Mais c'est dangereux. Bah tu mousses quoi. Je t'ai dit mousser. J'ai dit Chibre. Ah,
C'est pas assez. Bon, c'est ça, c'est chibre. C'est bon. Mais non, rien. Si, c'était ça, c'était chibre. Ah, chibre. Magnifique séquence que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et si tu restais une petite perle, au cas où. Oh là, la prochaine fois, c'est possible de prendre des bonbons que j'aime. Une petite. Et qui mousse pas. On connaît pas ma clé. Ah merde. Tu pensais que t'avais terminé avec ça, mon enfant. Merci, Laura. Merci pour cette séquence magique où vous avez moussé, bavé. Et moi, pas mon prénom, non. Moi, j'existe plus. J'ai dit quoi, là? Merci, Laura. Et merci pour cette séquence que vous avez ma clé. Ah putain. Non, mais merci. Alors je fais quand même un massage de la tempe. Il y a pas longtemps. Un massage de la tempe. Alors merci Hélène, merci Laura d'avoir donné de votre corps et de votre bouche. C'est vrai que la TSO Radio, c'est bien la première fois où vous donnez autant de votre bouche pour ça. Donc il fallait deviner chibre et prépuce. C'est vrai qu'au niveau des quantités que vous avez dans la bouche au départ, c'était compliqué de faire deviner les mots, j'ai eu l'impression. Elle en a mis quand même plus que moi. Puis, mais elle est entraînée. Pour le jour qu'on est. Allez, la mâchoire est plus développée ce soir. Voilà. On va dire que. La mienne n'a pas encore travaillé. Voilà. Laura, son tour de chauffe a été fait. Puis tout à l'heure, elle a fait les mâche-peau. Ah ouais, les mâche-peau. Ouais. Oh, ça fait longtemps ça. Ou les mâche-peau. Les mâche-peau, ouais, les mâche-peau. Ouais. Seb, oui. Allez, une petite perle et puis ça sera bien. On va dire une vie de merde. Allez, une petite VDM. Alors, c'est. Non, c'est ici. Oui. Ouais. Alors. Oui. Aujourd'hui, ma copine et moi arrivons chez moi. D'accord. Mes parents ne sont pas là. On commence à faire l'amour comme des bêtes, tandis que nos téléphones ne font que sonner. On finit par répondre. C'était mon frère qui nous a signalé que mon père a fait mettre des caméras dans la maison reliées à tous nos téléphones. Oh putain. Ok, ben tout le monde était au courant alors. N'empêche, la position de tout à l'heure, t'es pas mal quand même. La quoi? La position de tout à l'heure. Quelle position? Comme les téléphones étaient reliés. C'était tout à l'heure ou c'était hier? Non mais là, c'est par rapport à la blague. C'était demain. Ah, d'accord. Faut suivre. On a une petite dernière. Non. Il faut que je cherche une histoire peut-être insolite. Allez, une petite histoire insolite. Allez. Alors, c'est au mois d'octobre 2014, au retour des vacances, les propriétaires d'une maison située non loin de Valence constatent qu'ils ont été cambriolés. C'est quoi? Le cabriolet. Le caniche. Le cabriolet a disparu ainsi que les motos, les bijoux, l'or, les diamants et le matériel high-tech. Le matériel. Au vu du désordre, les policiers concluent que les cambrioleurs ont sûrement passé plusieurs jours dans la maison profitant de l'absence des propriétaires. Oh les salauds. L'enquête dure 5 mois et nécessite la collaboration des gendarmes et des policiers de la région. Et finalement, le crime est résolu grâce à un sextoy. Négligemment posé sur le bord de l'évier de la cuisine, celui-ci est immédiatement récupéré par les autorités et l'analyse ADN révèle l'identité du coupable, un homme de 37 ans déjà fiché par la police. Une maladie qui te juge coupable. D'accord. Ouais, ça fait plaisir. D'accord. Quoi. Ça fait plaisir. Merci Sébastien. Moi j'ai mon taux de diabète qui a monté d'un trou. Ah, ouais. C'est la mousse. Non, j'ai pas moussé moi. Non mais j'ai préféré aller me finir dans la poubelle. J'ai l'impression que le mélange salive avec le chamallow, ça fait une substance. Bah, en fait, le chamallow fond dans ta bouche. Donc ils font, mais en même temps ils liquide en fait. Donc si tu les avales pas, bah. Vous aimez les chamallows? Non, je déteste. Mettez-les dans vos bouches, ça va fondre comme sur une lampe. Non, mettez pas neuf comme moi. Oui, c'est Stéphane ou c'est Voldemort dans Harry Potter, lui, blanc comme il est aussi d'ailleurs. Ouais, Voldemort, ouais. Il est Voldemort. Voldemort. Ah, il est fou de mort. C'est un mange-mort. Oh putain. La suite de l'émission, ça va continuer avec la dernière partie de cette. Oh non. On se revoit quand même. De toute façon, on se reverra demain. On se revoit demain pour un live exceptionnel. Mais je sais que ça vous fait chier de qu'on se quitte ce soir. On est bien. Il est quoi? Il est 20h40. Ouais, à peu près 37. On est bien là. On va rester ensemble. Ça retourne. Ouais. Ça retourne. Ouais, je sais pas ce qu'il bloque, puis après ouais. Il reprend. La suite, ce sera les tournées des anecdotes et puis ce sera bien. Voilà. A tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio. La radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.